Mathilde, c'est toi? Marion? Marion? Louise? Louise? Louise, attends. Putain, mais qu'est-ce que tu fais là, Louise? Viens, faut qu'on se barre! Mais viens, putain! Mais qu'est-ce que t'as, putain? Bon... Louise? J'arrive! Salut! Ça va? Ça va et toi? Ça va. Tu te racontes quoi? Bah, pas grand chose. Viens. Vivement que les cours s'arrêtent. Il y en a marre. Ouais. C'est bientôt fini. Ouais, j'espère. C'est quoi cette caméra en fait? C'est ma mère, elle m'a acheté la caméra pendant le voyage à Paris. C'était où elle était partie toute seule, là, non? Ouais. Oh, bah ça va. Il y en a qui vivent bien. Ça fait bizarre quand même de revenir ici et de savoir que c'est plus ma maison. Je pense bien, mais franchement, t'inquiète pas, la maison est bien gardée. Ouais, c'est sûr. Oh putain, j'en ai marre, j'ai mal à la tête. En même temps, t'as vu les petits yeux, putain. Hier, t'étais morte, truc de fou. À ce point-là? C'était terrible, c'est ton mère. À mon avis, il n'y avait pas que moi. Hein. Au fait, je t'ai pas dit. Quoi? J'ai... Comment dire? J'ai couché avec Nathan. C'est pas possible, tu te fous de ma gueule. Non. Tu rigoles. Non, je rigole pas. Ah, et c'était bien? Bah, ouais, mais je me souviens plus de grand chose. Ouais, mais attends, vu ton état. Ah, mais attends. Ouais, mais attends, j'étais pas la seule à être torchée. Là. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Ouais, ah, ouais. En fait, t'as des nouvelles de Stéphane? Ma gueule. Ça fait plus d'un an que j'en ai pas eu. Qu'est-ce que je vais en avoir maintenant? C'est vrai. Non. De toute façon, sa mère, elle a mis des affiches dans Voiron et Grenoble. Ouais. C'est con quand même qu'on l'ait pas retrouvée. Oui. Enfin, pourquoi t'as des caméras chez toi en fait? Ah, c'est ma mère, elle est paranoïaque. Même si le quartier est à peu près tranquille. Ouais, en général, il est tranquille. Allô? Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Dis, est-ce que ça te dirait de venir à la maison? Bah ouais, il n'y a pas de soucis. Pourquoi ça, c'est là? Rien, juste comme ça, pour parler. Ah, ben, bon, bah, vas-y, ben, j'arrive, mais de toute façon, là, j'ai un coup de chanteur, donc j'arrive pas.
Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, t'as eu peur? Non, à peine. Saleté. Qu'est-ce que tu fous là? Bah quoi, qu'est-ce que je fous là? Oh, excuse. Ça va pas. C'est parce que tu me racontes en fait. Ça fait du bien d'avoir du soleil. Oh, surtout qu'on attendait celui-là. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, c'est le repos du guerrier. Parce que demain, on a cours. Alors bon, il faut bien. Pas mal. Ça va? Ah, j'ai mal au ventre. Comment ça se fait? Ah, j'ai du mal digérer le plat chinois ce midi. T'as mangé chinois à midi? Ouais. Faut pas manger chinois, c'est pas bon. Bon. Tu devrais aller voir un médecin, non? Peut-être non. Ça se trouve, c'est plus grave que ça, je sais pas. C'est non, bon, ça va passer. J'espère. Et ça va pas mieux, j'irai voir. Tu verras. Ouais, je peux te parler d'un truc? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait plusieurs nuits que j'entends des bruits. Quoi comme bruit? Je sais pas, des... On dirait que ça tape. Je sais pas ce que c'est. Ça tape? Ouais, ça... Si tu veux, je me couche dans le rêve et puis... Ça me réveille la nuit d'un coup. Mais tu rêves, non? T'as dû faire un cauchemar ou des trucs? Non, 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 je suis vraiment consciente, quoi. C'est dingue. Ouais, bah, ça fait peur quand même. T'as entendu? Quoi? Il y avait un bruit? Non. T'entends des bruits toi-même? Ah bah, Jérémy. Ah bah, décidément. Et là, t'as entendu quand même? Mais c'est quoi? On va voir? Ouais. Je peux filmer? Ouais, bah, c'est bon. Merci. Delphine est en action. Comment ça me filmer toi? Il y a peut-être un cambrioleur, hein, on sait pas. Quand même pas, non, je crois pas. Oh, tu sais, hein. Ouais. Il est vraiment mollo, toi. Ouais, je sais pas. Ok. Il y a rien, là. Non. Tu fais du ménage pour ta mère, toi. Ouais, le toit, ça part avec le copain. Gentille fille. Ouais, là, ça vient d'en bas. Je bourrais en bas. Putain! Oh, putain, ouais. Ça commandait, hein, je suis sûre que c'est ça. Ouais, je pense, parce que j'ai vu que ta véranda était ouverte. Je sais pas ce que c'est, mais. Je suis sûre que c'est un commanda. Que dalle. Bah je sais pas. Ma foi. Oh putain. C'était pas là ça tout à l'heure? Non. C'était ça quand même. Bizarre. Ouais, il se passe des trucs bizarres chez toi, laisse tomber. Je t'avais dit.
C'est quoi toutes ces godasses? Ah, c'est mon copain, il scout. Il vient ici dans le temps. Ah, du coup, il fait une exposition de chaussures. Ouais, il est énorme, je sais pas bien aussi. Bon, eh ben, je sais pas. Ah non, on est pas. Ah bah, tant pis, hein. Attends, je vais écrire mon message. T'as fini? Je peux te poser une question? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu trouves pas ça un peu bizarre la disparition de Stéphane ou pas? Ouais, un petit peu. Enfin, pourquoi tu m'en parles maintenant? Bah, lui et moi, on est cousins et. Avant de ça, je pense qu'il m'a dit quelque chose quand même avant, quoi. Mmh. Pourquoi t'as des caméras chez toi? Tu m'as déjà posé la question. Non, je crois pas, non. Si, si, il y a quelques jours, comme ça. Bah, Delphine, je saurais si je t'aurais posé une question quand même. Et je te dis qu'il m'a déjà posé, t'es sûre de... Bah oui, je suis sûre. Quand même. Bon, Louis, ça te dit pas d'aller voir la mère de Stéphane? Pourquoi on irait voir la mère de Stéphane? Bah, pour avoir plus de renseignements, quoi. Savoir ce qui s'est passé. Bah, elle a peut-être pas envie de voir... des amis à Stéphane, sachant qu'il a disparu, quoi. Enfin, c'est une mère quand même, enfin, je sais pas. Ouais, mais.
Non mais allez, vas-y, viens. Je suis sûre. Non, mais sérieux, c'est pas une bonne idée, la pauvre. Je pense qu'elle le vit déjà assez mal comme ça, on va pas non plus. Bon, de toute façon, moi, faut que j'aille, j'ai un rendez-vous à Grenoble avec ma mère. Ouais. Ouais, donc faut que je te laisse. Okay. Bon, bah. Et attends, tu veux pas boire un coup, hein? Ah non, mais c'est bon, je suis en retard, là. T'es sûr? Oui, t'inquiète. Bon, allez, à plus. À plus. Oui, c'est toi ? Thank you.
C'est pas ce qui m'est arrivé hier? Quoi? Ah, t'as filmé. Là, dans le jardin. Où? En plein milieu de l'herbe. En plein milieu, là. Je sais pas ce que tu vois. Bah, en plein milieu, c'est le milieu. En plein milieu. Ouais, je l'ai ok. Hier, il y avait un gamin qui était là, qui m'a regardé fixement, et qui m'a touché le vent comme ça. Bizarre. Tu m'expliques? Voilà. Tu veux que je te montre un truc de marrant? Un truc marrant? Ouais. Quoi donc? Regarde. Regarde bien. D'accord. Oh putain, c'était quoi ça? Et attends. Oh la vache, comment tu fais ça? Je sais pas.
c'est moi, ça va ? Ouais, et toi ? Ça va. Dis-moi, pour Instagram, c'est toujours bon ou pas ? Bah, en fait, je suis devant ta porte, là. Ah ouais ? Ah oui, je viens d'arriver. Ok, attends, bouge pas. Hola ! Salut ! Ça va ? Depuis 5 minutes, ouais, ça va. Quoi de neuf ? Ouh, pas grand chose. Et toi ? Oh, rien. Comme d'hab, hein. Écoute. Dis, t'as commencé le truc en histoire ou pas ? Non, je sais même pas qu'il y a un truc à faire en histoire. D'ailleurs, tu devrais faire le ménage hein, devant ta porte. Pourquoi tu dis ça ? T'as vu toutes les poubelles qu'il y a ? Ouais, il passe ce soir, c'est bon! Oh là là, et bah dis donc, ça se voit que papa et maman sont pas là, hein! Oh, c'est un... Mais arrête de me filmer, donne-moi ta caméra! Oh non, non! Bah, non. Si, on va inverser les roses, putain. Il manquerait plus que ça! Vas-y, fais gaffe, hein! T'inquiète! Fais gaffe avec ça! T'inquiète, je remanie tous les jours, la blague! Ouais. T'as fini? Non, jamais! Bon, et sinon? Fatiguée. Tu vas te plaindre encore ? Ouais. Comme d'hab. Attends, je me plains pas souvent moi. C'est bon. Genre tu te plains pas souvent ma blague. Enfin bref. Bah non, je me plains pas souvent. C'est pas du tout. Je suis en train de faire un gros zoom puissant sur ta tête. Oh non, 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 non. Non, t'inquiète, je recule. Pas de soucis. Bon, tu voulais me parler de quelque chose en fait ? Ouais. Tu sais, je t'avais dit pour les trucs qui se passaient ici. Ouais. Je trouvais ça un peu bizarre et tout. Quoi les trucs qui se passent ici ? Tu sais, j'entendais des bruits, puis je me réveillais la nuit, les trucs qui s'allumaient. Quoi ? Hein, tu deviens aussi parano que ta mère, toi. Mais non ! Si, bientôt je vais t'acheter une caméra. Tu te moques de moi là ? Quoi, je me moque de toi. C'est n'importe quoi. Et c'est vrai, putain. Non, mais genre, t'es dans un délire. Tu crois la maison, elle est hantée, mais n'importe quoi. Oh, bah attends, non, c'est rien. T'es qu'à venir dormir ici, puis tu vois. Bah, et comme s'il y avait un souci. N'importe bah, quoi. Ouais. N'importe quoi. Je suis pas folle. Ouais, t'es pas folle, tu deviens parano. Je suis pas parano. Pff, juste à peine. Genre, la meuf, c'est Jeanne d'Arc, elle entend des voix. Oui. Tu sens où ? Je n'ai même pas commencé. Ah ouais ? Non, je m'investis pas trop. T'as les infos au moins ? De quoi les infos ? Bah, qu'il faut pour faire. Hein ? Les docs. Oh oui, je les ai, ouais, ah, mais. Putain, t'as peur. Bah, ouais, non, mais de toute façon, Delphine, on était ensemble encore, je te rappelle. Tu crois ? Non, je suis persuadée. Ah merde ! Ah bah oui, merde. Non, mais sinon, t'as fait toi ? Pratiquement fini, faut j'envoie deux, trois trucs. Ouais. C'est long. Pour l'oral, on va douiller. Hein. Ouais. Ah. Mais bon, d'ici là, je serai peut-être plus là. Hein. Pourquoi tu dis ça ? Oh. Pour rien. La pile de fringues ! Yeah ! Bon.
tes conneries. Louise, t'es où? Louise? Louise. T'es où toi? Aux toilettes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur. Je te dis pas, je te fous. Mais t'es pas dans le lit, du coup, j'ai peur. Tu devrais vraiment te coucher. Ouais. J'en ai marre. Thank you.
qui est que vous soyez partie d'ici. Ouais, maman. Ouais, ouais, ça va, et toi? Ouais, dis, tu reviens bientôt? T'en sais rien? Bah non, mais... Ouais, j'aimerais que tu reviennes le plus tôt possible, quoi. Bah, il y a des trucs bizarres par ici. C'est bon, je pense qu'on en aura marre d'être toute seule. Bah, tu peux pas demander à ton chef quand est-ce que tu reviens? Ouais, ok. Bon. Ok. Ah bah, je te rappelle dans 3 jours. Bisous. T'es... C'est possible, c'est une blague ça.
Allez, putain, vas-y, ça m'énerve! Moi. Marque du démon. Nous sommes pas choisis pour rien. Ça a été fait à naissance. J'ai été choisie comme l'eau, comme hôte à la naissance. Je ne peux pas accepter ça. Certaines femmes sont fécondées par une personne, mais possédées dans le but d'engendrer un enfant démoniaque. Symptôme, l'enfant va prendre le dessus. Janvier 2013, Louise paraît bizarre, elle ne semble pas vraiment elle.
Bah, Loulou. Salut. Excuse-moi, tu déranges à cette heure-ci, mais ouais, il faudrait que je te parle. Ouais, je te gêne pas. Nickel. Ouais, bah en fait, j'ai trouvé des feuilles bizarres. Très bizarres. Il y a des signes, un triangle avec un rond. Il y a un peu plein d'écriture aussi. Voilà. Si tu veux, je peux les prendre en photo, je te les envoie. Ouais. Attends, bouge pas, je te fais. Ça a dû te les envoyer dans le bras. C'est bon ? Nickel. Ouais, mais en fait, je connais un ami qui peut m'expliquer Sissi. Ouais, qui est là-bas. Et sa famille est très, très croyante. Surtout à la religion catholique. Et aux démons aussi. Ouais, tout à fait. Et ouais, donc il pourrait m'aider pour en savoir plus. Est-ce que tu pourrais m'apporter un test de grossesse? Non, non, je cherche pas à comprendre. Juste tu m'apportes. Tu vois, c'est possible? Ok. Il faut que je te laisse. Ouais, je te rappelle plus tard. Bisous. Elle est presque prête. Il lui faut encore quelques heures. Salut. Salut. Tu vas bien? Ouais. Ça va. Et toi? Hein? Et toi? Oh, moi ça va toujours et tout ça. Ok. Ça va. Moi ta caméra. J'aime bien. Je fais joujou moi aussi. Ça y commence pas. Ah là 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 là. Bon alors, qu'est-ce qui se passe Delphinus? Ah, ça recommence. Qu'est-ce qui recommence? C'est moi, c'est tout bizarre. Je t'en avais parlé, tu te rappelles?
Ah, oh, ouais, peut-être. Ah, oh, tes hallucinations, là. Ah, c'est pas des hallucinations. Je te jure, j'en veux plus. J'en ai marre. Bah, la maison a jamais eu de problème particulier. Mais... Ah non, mais je peux plus dormir ici, c'est bon. Bah, je sais pas, à la rigueur. Si tu veux, viens dormir chez moi ce soir. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Ok, ok. T'as l'air fatiguée. Ouais, ça va. Ouais. Ma foi, c'est la vie. Oh, ça va? Oh! Delphine? Ça va? Pas trop, non. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Par hasard, t'aurais pas un test de grossesse? Oh putain, je l'ai oublié. Oh putain. Bah, si tu veux, je vais le chercher. Ouais, je veux bien. Ok, je te pose la caméra sur le secrétaire. Ouais, ouais. Ok. Bon. Allez, j'y vais. Ne me pose pas de questions. Quoi? Et tu sais que c'est rien. Je vais pas rester. T'es obligé de me filmer là? Je vais pas rester longtemps, mais faut que je te dise plein de trucs. Ok, bah ouais, bah bien, mon temps. Tu sais, t'as plein de questions à me poser, mais. Ah là oui, des fans. Tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais. Est-ce que par hasard, tu vis pas un peu des choses un peu étranges depuis quelques temps? Étrange. Comment? Paranormaux, les phénomènes. Ouais, entendre des bruits et puis devenir folle, oui. Ouais. Attends, je peux poser mon sac en bas? Ouais, vas-y. Je pose juste comme ça. Attends. Vas-y, t'inquiète pas. Hop. Ouais, donc. Oui, je vous. Ouais, donc tu m'as dit que t'avais des trucs bizarres qui t'arrivaient. Ouais. Est-ce que par hasard, t'as pas eu des choses. Je sais pas, du type. Des documents que t'aurais pas dû avoir, enfin, t'as pas trouvé des feuilles, des trucs comme ça? Avec un signe bizarre en plein milieu, un rond, une sorte de triangle, si. Ouais. Pourquoi? En fait, c'est. Comment dire? Tu vas te me prendre pour un fou, mais. Notre famille. Elle fait partie d'une congrégation, de sorcières. Il y a des femmes, il y a des hommes. Toute la famille est au courant, ça je te le dis. Ma mère est au courant, ta mère est au courant. Est-ce que par hasard elle est partie? Ouais, mais ça fait longtemps qu'elle est partie, aux États-Unis, voilà. Et bien en fait, elle est pas aux États-Unis. Elle est où alors? Je l'ai appelée la dernière fois. Elle est pas loin, mais elle est pas partie, t'inquiète pas. Elle est dans une maison sur couple vie, je pense. Parce que j'ai fait des recherches, ouais. Et j'avais trouvé que c'était là-bas qu'ils se réunissaient, tu vois, tous les partisans de cette congrégation. Et ils se réunissent tous là-bas, et après c'est là-bas qu'ils finissent leur travail, en fait. D'accord. Et je voulais savoir, est-ce que, par hasard... T'aurais pas mal au vent, un truc comme ça. Parce qu'en fait, chaque année, ils prennent une fille qui a été choisie en fait à la naissance. Et le but, c'est qu'elle soit fécondée. Pour après. C'est un peu bizarre, je sais, tu vas prendre pour un fou, mais je te promets. En fait, là. Donc, par exemple, peut-être toi, je sais pas. Et en fait, bah, ils t'ont choisi pour féconder. Donc, ça se trouve, est-ce que t'as eu un rapport sexuel il y a pas très longtemps? Ouais, c'est sûr, oui. Surtout que je commençais à vomir, avoir mal au ventre. T'es dans la merde. Non mais... Non mais t'es en train de me faire peur là, vas-y, sérieux. Non mais c'est vrai, hein. T'es sûrement enceinte. Et en fait après l'enfant il va être donné au démon. Hein? Soit en tant que sacrifice, soit ils vont le laisser en vie, mais il sera complètement possédé. Je sais que c'est un peu bizarre, mais... Non, c'est impossible. Et tu dois te méfier aussi des personnes que tu croises tous les jours. Quoi? Du type qui? Louise. Pourquoi Louise? Mais elle a rien à voir là-dedans. Elle est pas nette. Elle est pas nette. Depuis un moment, elle est pas nette.
T'inquiète, je sais ce que je dis. Okay. Tu devrais te méfier d'elle. Parce que ouais. Je pense qu'elle est dans le coup aussi. Et il y a moyen qu'elle soit peut-être possédée, ou je sais pas, mais en tout cas, elle a quelque chose qui est pas net. Est-ce que tu l'as vue dernièrement, là? Ouais, juste... Bah là, cet après-midi, il va bien longtemps, quoi. Elle t'a dit quoi? Elle cherchait un test de grossesse, pour vérifier. Il y a moyen que je sois vraiment enceinte, là. Non, mais je te promets, je te promets. C'est impossible. C'est impossible. Comment dire? Il y a des doubles maléfiques qui existent, si tu vois un peu... Doubles maléfiques, en fait, c'est, par exemple, tu vois, ça prend mon apparence, mais c'est pas ouais. humain. Ça prend mon apparence pour foutre la merde, en fait. Y a pas d'autre mot. Pour foutre la merde. Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait un double moi qui circule en ce moment. Et même depuis longtemps, je pense. Parce que moi, j'étais plus dans le coin depuis au moins un an, là, tu vois. J'étais dans le nord de la France. Et j'ai fait des recherches. Et en fait, dans le coin, t'as plein d'endroits comme à Lyon, à Grenoble, à Chambéry, à Annecy, et bah ici aussi. T'as plein de congrégations en fait, ils font tous partie d'un même groupe. Et t'en as aussi plein d'autres dans la France. Hein. Je dis pas ça pour te stresser, mais... Ouais, bah là c'est ce que t'es en train de faire. En gros, je te conseille de vite te barrer ici, comme j'ai fait. Ouais. C'est ce moyen pour que tu restes en vie, sinon tu vas y passer. Parce qu'ils sont obligés de te tuer en fait. Ceux qui servent. En gros, t'as des personnes qui servent à. C'est des sortes de pions ouais. dans leur processus. Et après, il faut qu'ils les éliminent pour pouvoir s'y mettre leur double maléfique. J'ai encore d'autres choses. J'ai des photos tout à te montrer, c'est dans mon sac. Ouais. Tu restes là? Je vais chercher. Ouais. Je bouge pas. Ok. Steph?
Louise ? Delphine, viens vite, s'il te plaît, Delphine. Là ! T'es là ? Oui ! Ouvre-moi ! Ouvre-moi, s'il te plaît ! Ils arrivent, s'il te plaît, ouvre-moi, là ! Delphine ! Delphine ! Bordel.
possible.